Il fait un beau ciel bleu euh, en haut des montagnes avec un grand soleil. Alors, j'étais vraiment impatient de vous parler de ce projet. Je l'ai mentionné il y a quelques vidéos déjà de faire une deuxième édition du Festival des mots, du Festival d'écriture. C'est vraiment euh, un truc que j'adore de partager les écrits des autres et de participer aussi parce que cette année, moi aussi, je vais participer. De nouveau, on va faire un livre comme celui de l'an passé. L'an dernier, il y a eu 50 participants qui ont eu leur écrit publié et il y a eu vraiment un beau retour sur ce, ce recueil collectif, moi je l'appelle comme ça. Cette année, il y a quelques petits changements. Ce qui change pas par contre, c'est le sujet, c'est l'écriture, c'est le format, c'est vous écrivez ce que vous voulez sur le thème du voyage, de la montagne. De la vie proche de la Terre, d'une expérience incroyable, du futur, d'une expérience futuriste, d'une expérience du passé, d'un récit, d'une fiction, n'importe quoi en fait qui est vraiment aligné avec tout ce qu'on partage ici et plus. Parce que l'an dernier, il y a eu pas mal de belles pe petites pépites, de belles surprises. Et, euh, et d'ailleurs, en fait, ça me donne envie de le relire ce livre. Il est toujours disponible si vous ne si l'avez toujours pas. Hein, euh, mais euh, ça me donne vraiment envie de le relire et je pense que je vais replonger là-dedans euh, pour m'inspirer un peu. Ça ne change toujours pas. De format, vous avez toujours besoin d'écrire quelque chose entre à peu près, je dirais, 1500, maximum 4000 mots. On parle d'une nouvelle, euh, que ce soit un récit, une fiction, ou même de la poésie aussi. vous si c'est de la poésie, vous pouvez écrire quelque chose d'un peu plus court, mais je demande vraiment quand même d'avoir un minimum d'autour 1500 mots et un maximum de 4000 mots. Je sais qu'il y a des gens qui m'avaient envoyé... Euh, 20 pages euh, le format, moi ce que j'aime beaucoup c'est que toutes les histoires, elles aient à peu près la même longueur, pour que, et eh bien pour le lecteur, ce soit très agréable à passer euh, de, de page en page, vous pouvez avoir des dessins en noir et blanc si vous le voulez, ou en couleur pour la version PDF, la version numérique mais, euh, mais euh, à l'impression ce sera en noir et blanc, vous pouvez faire ça aussi si vous voulez euh, montrer vos dessins, euh, mais le sujet, oui, c'est le même, c'est la vie sur la route, votre expérience d'avoir changé de vie, la vie proche de la Terre, votre expérience d'avoir euh, euh, vécu dans, dans une cabane ou, ou même des fictions, parce que l'an dernier, il y a eu vraiment plein de choses qui étaient très inspirantes, parce que justement ce que j'aimais, et en fait je vous l'avais demandé, c'était qu'on qu rapproche tous ces sujets de voyage, de nomadisme mais aussi de sédentarité simple, de vie proche de la Terre, des vraies richesses, tous ces thèmes en fait qui nous animent ici sur cette plateforme. Et donc, ça ne change pas, c'est juste qu'on a une nouvelle édition. La date limite, c'est le 21 février 2021, 21-21, pour euh, envoyer tout ça. Et le changement cette année, c'est qu'on a un commanditaire, un sponsor, qui va offrir à tous les lauréats, à tous les, les écrivains retenus, un exemplaire, leur propre exemplaire. Du recueil en version physique. Notre commanditaire, c'est euh, EcoMail. Ecomail.fr, en fait, c'est un service de messagerie qui est 100% sécurisé, 100% confidentiel et aussi 100% éco-responsable ou 50% parce que la moitié de leurs revenus, ils le reversent dans des actions concrètes pour euh, la conservation, pour la sauvegarde euh, de certaines espèces, pour l'environnement en général, même si j'aime pas trop ce terme, sauver l'environnement, c'est un peu prétentieux. Donc, je vous encourage. Aller voir ça, mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, il a accepté d'être le commanditaire de ce livre-là. Et ce que j'aime beaucoup avec mes éditions, ma vie en van, c'est que on imprime à la demande. Donc il euh, n'y a pas d'invendu, il n'y a pas de stock à détruire, parce qu'il faut savoir que dans l'édition traditionnelle, euh, les éditeurs et les distributeurs imprime en masse et ensuite détruise en masse parce qu'évidemment le livre perd sa valeur s'il n'est pas vendu donc au lieu de le donner gratuitement ils vont les détruire et c'est vraiment beaucoup de gâchis donc euh, c'est l'un des avantages puisqu'il y a d'autres inconvénients peut-être à, à, à ce que je fais mais l'un des gros avantages c'est que je l'imprime à la demande donc euh, c'est pour ça que c'est assez c'est une manière je trouve assez responsable de faire ça et aussi indépendante euh, c'est je fais tout moi-même de la correction même si j'ai quelques petites aides ça et là mais de l'édition la mise en page la couverture tout de a à z c'est vraiment un produit très artisanal et ce que j'aime bien dans ce projet de festival d'écriture c'est qu'aussi c'est un, un projet collectif donc on essaye vraiment que tout le monde soit content et euh, dans le fond moi le, le but là-dedans c'est vraiment de d'exprimer notre créativité surtout en ces temps où on peut moins voyager en ces temps où on se sent peut-être un peu cloîtré chez nous eh bien je trouve que l'écriture c'est un médium très inspirant très enrichissant euh, pour voyager hors de soi le site pour soumettre votre texte c'est écriture.mavienvan.com ou sinon vous pouvez m'envoyer un email à mavienvan.arobase.ecomail. Donc c'est si vous voulez pas faire tout le formulaire, vous pouvez m'envoyer directement un email à cette adresse-là. Sinon, euh, vous passez par le formulaire d'envoi euh, qui euh, est à écriture.mavieinvanne.com. Donc, festival d'écriture numéro 2. Si vous voulez passer un petit hiver de, cré de création, eh bien je vous encourage à m'envoyer un texte, que peut-être un texte que vous avez déjà écrit. Ça peut être quelque chose de tout nouveau, tout neuf, ça peut être quelque chose que vous avez... Déjà créé par le passé, en tout cas, je vous laisse juge de vos, de vos soumissions et je vous dis bien à vos plumes et ben, merci à tous les participants en tout cas. Malheureusement, tous les participants ne peuvent pas être dans le livre parce que c'est ça, je veux vraiment retenir ceux qui moi me touchent beaucoup. Et en général, il y a peut-être, allez, je dirais les, les deux tiers ou les trois quarts qui, qui, qui sont retenus. C'est pour ça que l'an dernier, il y a eu une centaine de soumissions et donc, j'ai retenu une cinquantaine d'auteurs, mais chaque fois, si, euh, si je suis intéressé et que je trouve qu'il y a vraiment du potentiel, et euh, les participants de l'an dernier peuvent vous le dire, je vais entrer en contact avec vous et je vais vous demander. Peux-tu changer ça Pourrais-tu euh, peut-être l'adapter pour que ça, ça fitte, pour que ça rentre dans le livre Donc euh, n'ayez pas peur d'essayer des choses et de m'envoyer ça. C'est vraiment très inspirant parce que moi, étant auteur et écrivain beaucoup, je mets mon petit chapeau d'éditeur, mais à la fois j'ai toujours mon côté euh, d écrivain, même si je écrivain c'est un grand mot, mais euh, j'aime beaucoup voir ce que les autres écrivent parce que ça me... Ben, parfois, c'est euh, ça rend très humble, hein, en fait. Parce qu'on on réalise qu'on n'a on, on pas le monopole sur la création, parce qu'il y a des gens qui ont des très belles idées, des très belles façons d'écrire. Et l'an dernier, je ne savais pas à quoi m'attendre, et je dois dire que j'ai été très, très agréablement surpris par la qualité de tout les soumissions. Donc si vous avez participé l'an dernier, je vous êtes encouragé à participer encore parce qu'il y a beaucoup de gens que j'aimerais beaucoup lire encore de nouveau. Euh, Peut-être les suites, si vous voulez faire la suite de, votre, de ce que vous aviez écrit l'an passé. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient envoyé des, des messages en me disant ⁇ Ah oh, j'ai pas eu le temps d'écrire, vas-tu faire un, un épisode 2, vas-tu faire un deuxième volume de ce festival des mots ?⁇ Eh bien oui, le voilà donc. Encore une fois, eh bien, bonne chance, bonne... Bonne chance, non, il n'y a pas de chance à avoir là-dedans, parce qu'on est tous gagnants, euh, on va tous stimuler nos vues créatives, donc euh, je ne sais pas comment finir cette vidéo à part vous dire, ben, j'attends vos écrits, et euh, moi je vais aller dehors, j'espère que vous aussi, vous pouvez quand même aller dehors, parce que la vie c'est aussi pour être dehors, pour pouvoir ensuite écrire à l'intérieur, quand il fait un peu plus gris, un peu plus froid, c'est l'équilibre de la force. <laughs> en tout cas, portez-vous bien et moi je vous dis au prochain podcast et à la prochaine vidéo. Bye bye.